Salut à tous, c'est Llokendil, on se retrouve pour ce nouvel épisode de ma série sur Chrono Trigger, et j'espère que vous ça va, parce que moi ça va. Il fait froid dehors hein, quand même, on voit que Winter is coming, comme il dirait dans Game of Thrones. Alors, j'ai froid aux mains, dis donc. Donc vous, ça fait plusieurs heures, hein, voire même plusieurs jours que vous avez plus eu de Chrono Trigger. Moi ça fait un quart d'heure. Alors, bienvenue, oui, je sais, le show va commencer. Oui, on veut un clone de Chrono. Allez, j'ai pas assez de points. Genre! Putain. Ah, et c'est en haut. Donc, je sais pas, je vais attaquer 3 ou 4 fois le robot qui a rien demandé, et puis. J'espère que ça ira. Allez. Fin. Allez, donne-moi les points. Alors, je veux te retaper. Je peux pas. Allez. On se casse maintenant. Je sais même pas si on peut voir au moins si on a des. Le jour où j'arrêterai de me tromper de touche, sérieusement, faudra l'inscrire sur un calendrier ou je sais pas. Qu'est-ce qu'il y a qui peut nous rapporter des points à la course? J'ai 65 points. Il en veut combien l'autre? Je peux défoncer le robot si ça lui fait plaisir. Les 65 points, bah allez, vas-y. J'espère que ça lui va maintenant. Ce qu'ils me disent même pas. Hein. Imite ce que tu vois. L bras gauche, R bras droit. Alors, juste 2 secondes, ça va. Ouais, c'était pas ça, mais. Alors, contrôleur. Configuration du contrôleur. Donc, L, voilà, R, voilà. Donc, L bras gauche, R bras droit. Attention les oreilles. Donc, dans 3, 2, 1. Voilà, j'avais prévenu. Alors, Y, rire, A, soupir. Ok. Oh punaise, Chrono! Comment ce signal? Et action. Il a levé les deux mains, moi j'ai. Il y a rire ou soupir? Putain, il m'a racketté 30 000. Il m'a racketté 30 000. Oh, je passe après. Hein. Oh, j'ai le seum quand même. Allez, on va le chercher. Attends, comment on va dire à sa mère que. Oh, tant pis. Par contre, il est 8 ou chrono. Maison du maire non plus, marché, résidence, maison de chrono, d'ailleurs. Alors, 2 secondes.
Ah, que de nostalgie cette musique, franchement. Alors, comment dire Oh, bonjour. Chrono, va bien? Il va très bien. J'espère qu'il est sage. Dites-lui de l'être, d'accord? Et vois pas la copie derrière. Frog, c'est pas bien de mentir. Madame. Oui? S'il vous plaît, pourriez-nous prendre cette poupée? C'est d'accord. Et elle se pose même pas de questions. J'ai le clone. Ouh! Allez, évitez les problèmes. Ouais, ok, on y pensera. Coucou le chat. Miaou! Miaou! Non, c'est pas là que je voulais aller. Ah, bon. Maintenant, t'électionne. Elle piquait de la moelleté. Je sais même pas si c'est ça en plus, quoi. Bah, comment ça se dit? J'ai jamais parlé espagnol de ma vie. J'ai fait allemand au collège. Ja, danke schön. Weihnachtsmarkt. Le dernier, c'était le marché de Noël. C'est pas... Et Tannenbaum aussi. Alors, il était énervant, mais maintenant qu'il est parti, ne vous faites pas l'idée, c'était un frère pour moi. Non. Oh, attends, merci. Nommons-le Chrono Trigger, c'est un pur potentiel. Revivre ton ami. Mais figale à l'effort que tu mettras dans sa recherche, ni plus que les mois, n'oublie pas, si longtemps que tu garderas Chrono dans mon cœur au chaud. Hop. Trompette touche. Alors. C'est chiant ces bruits, hein. Pourtant, j'arrive pas à m'en empêcher. Non, il me faut. C'est celui-là. Non, c'est celui du bas donc. Non. Voilà. Ah ouais, mais faut en faire. Je n'ai rien dit. Je n'ai rien dit. Je n'ai pas été vulgaire. Faut retraverser le truc avec les monstres, les combats obligatoires. Tant pis. Tant pis, tant pis. Ça me fait penser à Fallout quand même, hein, ici. Ah merde! Est-ce que maintenant que j'ai le clone, est-ce que ça va? Oh! T'es têtu, toi. Et eux aussi. Hein. Ils ont pas compris que... Je vais tuer toute leur famille à force. Ça les tue tous, hein. Ah, c'est pas mal du tout, ça. Ah, j'aime bien. J'aime beaucoup. Allez, venez, un paquet de 12 si vous voulez. Et voilà, fin du combat. C'est raisonnable. Pour 3 MP, c'est raisonnable. Ah, vous voulez aussi, vous? Ah bah, venez. Je vous attends. Ah, ils ont quand même pu porter un coup à Magus. Tant pis pour eux. Qu'est-ce que je pourrais raconter dans cet épisode? Qui a déjà fait plus de 10 minutes. J'ai aucune idée de comment ça va se passer pour récupérer Chrono. Donc on va sur le pic de la mort. Le pic de la mort.
Il y aura sans doute des mobs. L'inverse m'étonnerait, on va dire plutôt. Je sais pas pourquoi à chaque fois je prends ce chemin là, mais il faut pas. Et un peu là. Donc, maintenant, on court. Mince. J'avais oublié ce détail. Comment on fait? Je vois pas. Je vois pas, je vois pas, je vois pas. Est-ce que... Donc je vais pas refaire la même bêtise. Mais est-ce que... Par pur hasard, bien sûr. Est-ce que serait-il envisageable qu'ils nous disent comment faire maintenant qu'on a le clone? Trouver le pouvoir de restaurer la vie. Il pourra activer ce pouvoir de faire une autre. Non, question de l'espace-temps, et vous devez avoir le clone identique. Seulement alors, un chrono de regard peut faire fonctionner. Le temps est venu pour vous d'apprendre le pic de la mort. C'est votre seule chance de faire revivre votre ami le dernier programme que j'ai emprunté dans cette vidéo. À grimper la montagne, yes! Il fallait bien retourner ici. Parce que sinon j'aurais été obligé. Oh! Qu'est-ce que c'est? Exécution programme. Quoi? Exécution programme. Qu'est-ce que quoi? Ah! Exécution programme. Qu'est-ce que quoi? Alors j'ai arrêté. Les trois entités que vous deux, que vous avez vues vous aideront à grimper le pic de la mort. C'est la fin du message. Maintenant, je vais vous demander une faveur. Cette créature a exécuté son programme. Laissez-la dormir. Le bouton est sur son ventre. C'est triste quand même. Il nous demande de tuer le gars quasiment. J'ai pas le choix en même temps. Si je fais non, ça fait rien. Allez. Au-delà des flots du temps. D'accord. C'est un peu triste. Mais bon, il a fait sa vie. Il a été très utile. Et je le remercie. Alors. Maintenant, c'est le piqué de la moelle. Allez, on avance. On avance. Marcher quand le vent meurt, il trouve le plus derrière les arbres. Ah! Allez, quand le vent meurt, quand le vent meurt, il est mort, il est mort, il est mort, il est mort. Oui! Non, j'étais derrière! Saloperie! Ah, je sens que je vais pas m'y faire un speak. Non, le con! Le... Oh, alors là, franchement. C'est la croix directionnelle de l'Xbox, hein. Oh, mais sérieusement? Est-ce que je vais réussir, non? Faut le coller, le truc, ou quoi, là? Je suis en train de péter un câble en direct. C'est rare, hein. Je veux pas le savoir. Allez, on fonce, on fonce, on fonce, on fonce, on fonce. Oui. Ah. Et voilà des mobs. Bien sûr. Alors. Des crackers. Enfin, un cracker. À chaque fois, on peut dire que là, il y a des crackers.
Ah, tiens, ils ont enlevé la neige. Bon, bah, ça c'est fait. Je sais maintenant comment les tuer tout tranquillement. Ah, il a monté de niveau, tant mieux. Alors. Il y avait une bague magique, ok. Donc là, faut se souvenir qu'il y a un truc en haut. Je fais les combats exprès pour gagner un peu d'expérience. Vous m'en voudrez pas, de toute façon, il ne dure pas très longtemps. C'est histoire de quelques secondes à chaque fois. Voilà. Alors, si, tiens, je sais ce que je pourrais dire. La plupart me connaissent via le... On peut aller ici. Ah, mais non, j'ai pas fini la zone en fait. La plupart me connaissent en fait avec le serveur Minecraft de Doopler.fr, qui est la communauté. Ça faisait longtemps que j'avais pas bafouillé. Qui est donc la communauté du peur sur Minecraft en fait. Et donc j'ai vu l'intro qu'il a fait, enfin qu'il a fait faire plutôt, et je trouve qu'elle envoie du pâté. Mais il y a peut-être juste un truc, si je parle de ça, c'est surtout parce que l'intro a vraiment un gros rapport avec Chrono Trigger, quoi. Et donc je suis pas hors sujet. La seule chose qui me chiffonne un petit peu, c'est que pour moi, Chrono fait vraiment très jeune. Je suis d'accord que c'est qu'un adolescent dans le jeu, mais il fait quand même très très jeune dans la nouvelle intro. Et je trouve ça un petit peu ballot. Mais sinon, le reste est vraiment énorme. En fait, c'était bien par là qu'il fallait monter. Là et voilà, donc c'était bien par ici qu'il fallait passer aussi. Ah, un fantôme en plus, macabre, d'accord. Bah, tant pis pour lui, il va mourir aussi. Là bah, d'accord, ça tue tout le monde. J'adore, j'approuve. On a même des éthers, ça c'est cool. Alors, où est-ce qu'on peut aller? Non, ici ça ne mène à rien. Ici c'est une grotte. Il y a un arbre avec des feuilles oranges. Ok, donc le pointeur a fait vraiment n'importe quoi. Une pluie de sang. Donc c'est quand même le pic de la mort dans l'époque futuriste où il y a vraiment que des débris et il y a de la neige. Ça fait un peu bizarre. Il y a des fleurs jaunes. Une bague, ok. Oh, vous avez vu ce qu'il y a là? Juste à droite de Magus. Petit truc qui clignote. Faudra pas l'oublier ça. Pas le choix, mais non, je me suis trompé de bouton. Les bagues. Alors, bague mûre, défense magique plus 10. Ouh, pas mal. Bague magie plus 6. Pas mal non plus. Enregistre les scores de bouton. Quoi? Fumer le truc. Enregistre les scores de moto, enregistre. Je crois qu'il y a un petit souci quelque part là. Je dis ça, je dis rien, hein? Bon. Oh merde. Oh, je me suis encore trompé de touche. C'est réflexe à la con ça. Je peux pas sauvegarder comme ça. Bon, c'est pas comme si c'était la première fois que je le faisais. Hein. C'est des brouillards par dessus. Triple coup sur la tête.
Ah, ça je connaissais pas, je vais pas, ça me dit rien. Oh, ça va. Ok. Ok, donc faut taper la tête. Et que la tête. Non. Quel con, je lui dis que ça me tapait que la tête en plus. Oh putain. Le con, le con, le con. Alors. Pardonnez-moi parce qu'on est fait mort. Voilà. Je vais claquer un mégalixir pour ça. C'est honteux. Honteux. Ouais bah du coup tant pis t'attaques comme ça, j'ai vu ça. Voilà. J'attaque la tête. Oh là là là, le con. Mais voilà, c'était tout simple. Ça rapporte de l'argent. Nickel. Une main. Ça, c'est pour robot, ça. Et bien sûr, vous aurez vu que je me suis trompé de touche. J'ai essayé de faire genre, mais non. Je me suis trompé de touche. Main giga. Je crois qu'on en avait déjà vu de ça. J'ai quand même un doute. Oh. Peut-être... Non, je l'ai mis. Foutu froid, j'ai attrapé un rêve en un quart d'heure, sérieux. Une épée, ouais. Oh, des crackers. Non, j'ai rien dû oublier ça, c'est... Alors... Ça... Oh! Ah bah d'accord. Ok. Ah bah d'accord. Ah bah d'accord, ok. Bon. Est-ce que j'essaie de... Oula, le micro va pas tarder à tomber. J'espère que vous êtes préparés. Est-ce que je fais genre, je monte à gauche là. Je prends le coffre et après je fais un suspense. Tu vois, ils avaient pas eu cela. Ou est-ce que je fais le suspense maintenant? Non, allez, on va prendre le coffre quand même. Parce que je suis pas méchant, non. Alors, on avance. Enfin, si, un petit peu. Parce que j'ai quand même fait une pause de plusieurs semaines. Alors qu'on était en plein combat contre Lavos. Qu'on a gagné d'ailleurs, enfin. J'y croyais plus trop, mais en fait, au final, c'est pas si compliqué que ça. Ouais, ça rattrape quand même un peu. Oh, allez. C'est si gentiment demandé.
Enfin, dommage qu'il soit pas... pas plus résistant. Tant pis. Il a cherché la mort. Oh. Bon bah allez, on ne passe après non plus, hein. Bon fatal, voilà. Bon bah non, je vais attaquer, hein, comme tout le monde. Triple coup, ça bouffe un peu trop de mana, donc tu vas juste faire coup du chat. Et puis voilà. Par contre, j'ai pas compris pourquoi il m'a fait ça. Est-ce que c'est juste en guise de bienvenue ou... Peut-être. Ouais, c'est peut-être ça. Oh le con. Ah, y a pas d'autre mot là. Est-ce que j'ai du lapis? Non, j'ai mieux que ça. Voilà. Mais c'est fourbe en plus parce que le pointeur il met directement sur les pics. Mais si tu veux essayer d'aller un peu vite, et bah tu te plantes. Plante, il n'y a pas d'autre solution. C'est... Ah, ben voilà. J'ai prévu que le micro allait glisser. Hein. De toute façon, il glisse au moins une fois par épisode, donc. Voilà. 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 Il doit être mort. Voilà, il est mort. Bon, bah, l'épisode fera pas 30 minutes. Mais c'est très proche. Apprends trou. D'accord, il a pris trou. Donc on va voir vite ce que c'est et puis on va s'arrêter là. Trou noir. Pouvoir vie-mort. Avec ça. Dégâts magie noire. D'accord. Donc. Ok, bah. Je suis trop curieux en fait. Oh. Tomber voudrait. Oh, oh non. C'est glissant. C'est non. Bon bah voilà. On va se quitter là pour cet épisode. J'espère que vous avez apprécié. Si c'est pas le cas, bah tant pis, barrez-vous. Hein. Si c'est le cas, tant mieux. Et mettez un pouce vert. Non, je déconne. Quoique, d'ici les prochains épisodes, portez-vous bien, à la prochaine, et salut !